Hello les plantes addictes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mettre donc en culture de la sphaigne. Donc pour ça, on retrouve la mini-serre, le bac que j'ai acheté à Action, donc avec le couvercle. Mais bon, il faut savoir que pour mettre en culture de la sphaigne, le couvercle, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser sans couvercle, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça à Action, il y a un couvercle, c'est nickel, on mettra le couvercle. Et puis voilà. Donc, il nous faut un bac. Ici, on retrouve, c'est de la tourbe, je vais pas y arriver, de la tourbe blonde. Voilà. Il va nous falloir une fourchette qui va nous servir à bien émietter la tourbe blonde. Après, vous pouvez le faire avec vos mains, vous pouvez mettre des gants, faites comme vous voulez. Moi, j'ai pris ce coup-ci une fourchette pour éviter de mettre les mains dedans. Voilà, il va nous falloir un ciseau pour couper la sphaigne, il va nous falloir de la sphaigne, en logique, et il va nous falloir de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà, donc on commence par déjà émietter correctement la tourbe blonde pour éviter, vous voyez, tout ce qui est les grosses boulettes. Et ben on les écrase, on les émiette bien. On émiette bien tout ça. Moi, la mienne, elle est déjà un petit peu humide, puisque vu qu'elle est stockée dans une armoire dehors. Mais c'est pas du tout suffisant. Donc on émiette bien tout ça. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pousser de la sphaigne, et si vous pouvez nous dire en commentaire du coup comment ça s'est passé pour vous, si ça s'est bien passé, si vous avez fait différemment de ce que je vais présenter maintenant. Ça peut toujours servir pour potentiellement modifier ma manière de faire, aider les autres plantes addictes et voir des manières différentes de faire. Donc, une fois qu'on a bien émietté tout ça, maintenant, il va falloir qu'on fasse de la bouillasse pour en faire une tourbière. Donc, on va mettre beaucoup d'eau. De l'eau, il y a encore de l'eau. Vraiment que ça soit inondé, hein. C'est vraiment on va mélanger pour bien détremper tout ça. Je vais redire comme dans ma première vidéo en ce qui concerne ce qu'on fait là. On croirait avoir 4 ans là et s'amuser à comme on faisait là dans les bacs à sable. Ça me fait penser à ça. On est des vrais gosses là-dessus. Voilà, donc là on voit que c'est bien détrempé. Une bonne grosse bouillasse. On va mettre ça de côté et on va couper des petits bouts de sphaigne pour pouvoir mettre ça dessus. C'est loin d'être compliqué, ça n'empêche à faire pousser de la sphaigne. Après, il faut de la patience. Comme je vous dis, je l'avais déjà fait une fois et puis j'ai pas fait de vidéo de suite parce qu'après j'ai arrêté de faire des vidéos pendant un bout de temps. Ça avait poussé, j'en avais quand même récolté, mais pas des masses quand même. Pas des masses. Donc on va recommencer et puis là je vous ferai un suivi un petit peu plus sérieux.
Bon, il en faut quand même un petit peu parce qu'il faut quand même mettre de l'épaisseur si vous voulez avoir une bonne quantité. Donc, hop, on va déjà prendre ça. On va mettre ça de côté. Et c'est là qu'on prend le ciseau, donc, et puis vous coupez grossièrement. Il n'y a pas besoin de faire du copeau non plus. Mais ça, je vais le mettre de côté. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Vous prenez ensuite votre seigne que vous venez positionner dessus. Et on va refaire, on va recouper un peu. Là. Enlever les petits bouts là comme ça qui servent à rien, ça repoussera pas de toute manière. Là, on recouvre bien notre bouillasse. On récupère les petites miettes. Et ensuite, on met vraiment bien en contact, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a le jus qui ressort, c'est parfait. On met bien en contact tout ça. Ah non, hein. On me laisse faire ma vidéo sans aboiement. Hein. Vous allez me dire, elle a pris une fourchette pour pas se dégueulasser les mains, et là, elle fait sans la fourchette. Oui, non, mais. À réfléchir, c'est pas trop mon truc là. On peut pas réfléchir. Donc voilà. Toc. Là, on voit que c'est bien détrempé. Oh, Junior, s'il te plaît. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il y a strictement rien d'autre à faire. Fury. Alexa, Junior. Stop. Je suis toute stop, on se tait. Alexa, stop. Voilà. Alexa demande au chien de se taire. Donc voilà, une fois que c'est bien mis en contact, bien détrempé comme ça, il n'y a strictement rien d'autre à faire. Maintenir évidemment cette atmosphère-là, hein, bien trempée. Et c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc moi, je vais remettre mon couvercle. Ensuite, ça, vous le mettez à la lumière, donc devant une fenêtre bien exposée ou une lampe horticole ou ce que vous voulez. Et puis, c'est tout. Hein. On surveille, on regarde pousser et on récolte. Donc, on tâchera de faire un petit suivi de comment ça va se passer en espérant que ça pousse vite. Et puis voilà. Si vous avez des questions à propos de la culture de seigle, n'hésitez pas en commentaire. Et puis si vous avez fait et que vous avez fait autrement, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous le dire. Ça m'intéresse. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye!